Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog qui m'excite beaucoup. On dirait ça, j'ai dit en français, j'ai dit on parle tout le temps. Mais comme je sais pas pourquoi, mais là on dirait que j'étais comme... C'est les nerfs, mais pas c'est les nerfs, comme... Stressée, mais genre... Un matin, je me suis levée, là, j'étais au bout. J'étais assez excitée, je sais pas pourquoi. Mais c'est excitant, mais comme... Je sais pas, c'était comme pas comme d'habitude, on dirait. Mais oui, c'est ça, on est jeudi à 9h, puis là, j'ai pas le choix de vous jaser puis de me préparer. Parce que j'ai l'autre bozo là, qui va m'attendre à pas long. Lui, il est comique. Faut pas que je vous garde parfois, je me maquille. Il est comique parce que. Comme là, il est en décollera vers comme 2h. Ben, peut-être même 3h. Je suis ok, whatever, ça dérange pas. On arrivera pour l'heure du souper. Là, après, plus tard dans la soirée, elle disait « Non, ben, on va décoller vers comme midi. » Je dis « Ah, ok. » Là, une autre fois dans la soirée, « Ah, ben, et on fait des terribles fois quand on se maquille, hein. » Ça donne du poisson. Là, il dit « Non, ben, je pense ici, on va décoller vers 11h à la fin. » Là, un autre, « Ben, 9-10h. » Et je dis là, tu me lèveras pas à 6h pour me préparer pour aller à Moncton. On prend l'avion de demain. Là. Comme là, on est jeudi. Là. Il dit non, mais tu comprends pas. Il dit tout de suite qu'on s'en va, je suis en vacances, moi, là, putain. Ouais, ça, il y a comme pas mal hâte de décrocher. Puis moi aussi, ça va faire du bien, juste nous deux. Puis, ouais, ça, c'est ça. On va aller à Moncton aujourd'hui. Francis, faut qu'il va s'acheter une pâte culotte. Ou deux. Puis moi, j'ai pas vraiment rien besoin, mais là, c'est dangereux dans les magasins. Je vais essayer de me contenir. On dirait que ça me se met pas. Ça a l'air du plus bronzé. Non, je pense que c'est bien. Je me frotte dans la face depuis tout à l'heure, puis elle a dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle fait là? Mais, ouais, celui-là va me rester les cheveux. Francis est en train de mettre du gaz, du windshield washer, de laver l'auto. Il fait toutes les petites tâches. Moi, je suis en train de me préparer, mais tranquille. Puis, ensuite, ben, c'est ça. J'aimerais bien... Je sais qu'on va aller super Red Saté ce soir. Red Saté à Moncton, là, c'est wow. C'est genre un peu comme le maïs à batteuse, mais comme pas comparable, tu sais. Pis, je pense que j'aimerais qu'on fasse comme. Ça fait tellement longtemps que je parle à Moncton, premièrement. On dirait que c'est pas mal foncé, hein. Premièrement, je suis assez excitée d'aller à Moncton juste pour boire le Starbucks. Comme si je peux en boire toute la semaine en Floride, là. Mais, juste de boire le Starbucks aujourd'hui, là, je suis excitée. Pis après, là, j'aimerais peut-être refaire mon itinéraire, genre, je faisais toujours à l'université. Comme moi, là, si tu voulais avoir mon cœur, ben, on faisait toujours ça pour mes amis. La dernière année, surtout, là. Le dernier semestre, parce qu'on dirait qu'on était juste tannés, puis on voulait juste, comme, pas décrocher, mais je veux dire, comme, on voulait plus être à l'uni, sur ces rares, on faisait des devoirs à l'uni. On allait au café Archival. Ben, ouais, c'est ça. On allait au café Archival. Miam. Moi, c'est un de mes musts à Moncton. Comme là, j'aimerais aller bientôt. Sur là, on allait dîner au Archibald. Puis on se faisait genre comme une study day. Sur là, on étudiait là comme pas mal toute l'après-midi. Après, on restait là genre jusqu'à comme l'heure du souper. Là. Après, à l'heure du souper, on changeait de place. On allait au Red Saté. On allait au Red Saté. Mais on restait un petit bout, mais comme pas trop. Parce que là, on se sentait mal qu'on faisait pas de devoirs. Ben, pas vraiment. Mais c'est juste, t'sais. Puis là, après qu'on allait, après le Red Saté, on s'en allait au Chapters, au Starbucks. On allait se prendre un bon petit Starbucks. Puis après, on faisait des devoirs toute la soirée. Ça, là, c'était comme ma journée. C'était ma journée, bref. Archibald, Red Saté, Starbucks, Chapters, livres. Là, on allait un petit peu dans les livres. En tout cas, c'était des beaux moments. So, je pense que j'aimerais qu'on revive cette journée-là, mais avec mon bébé. Des fois, quand il venait me voir à Moncton, il venait tout le temps nous rejoindre au Archibald. Il aimait ça, les chocolats chauds grand-mère. Les chocolats avec comme
du chocolat au chaud avec comme un gros crème fouettée dessus. Moi j'adore prendre les pizzas au saumon ou les bagel logs, c'est des bagels au saumon, mais les crêpes de ça là, c'est chaviré. Au retraité, je prends toujours le big bowl. Oh my god, c'est genre des nouilles, des crevettes, de la viande, des sortes de viande, et des légumes. Ah, oh, c'est bon avec la sauce épicée là. Noum noum. So, moi, je pense que j'aimerais aller dîner là avec Francis après souper au retraité. Puis à chaque fois qu'on va à Moncton, on va au Chapters. Puis là, je sais qu'il a apporté un livre, mais je pense qu'il aimerait aller s'en acheter un autre. Ça, c'est pas mal ça. Là, je prends plus mon temps parce qu'on dirait que j'ai de la misère à me concentrer, me maquiller, puis parler. Mais sinon, je voulais juste ça faire bien simple. Je pense que là, je me liche les doigts. Moi, je suis comme niaiseuse. J'ai plus de... Je vais mettre de l'eau parce que je vous parle. Je vais avoir de la pointe bizarre, mais c'est qu'il faut que je m'agite... curler mes cils là et à briser. Puis c'est un oubli à chaque fois que je vois quelque part. Mais je mets juste de l'eau pour que mes cils curl. En tout cas, j'étais bizarre. Hein. J'en mets juste un petit peu. Ça, c'est ça. Et hier, c'est une grosse journée mercredi de comme devoir pour me mettre comme prendre forme. Oh, j'ai eu cet échantillon-là à Noël de Benefit, c'est Roller Lash. Je l'aime vraiment. So, hier, j'ai fait comme une grosse journée de devoirs, de préparation de valise. Après, et je suis bonne en devoir comme pour 2 semaines. So, c'est pas mal ça. Non, chère, ça que j'aimerais mettre dans la tienne, je mettrai demain mon maquillage. Parfait. Merci. Mais t'es prêt de mettre du colorant? Oh oui, chat. Puis j'ai... Ah, oh, j'ai envie de ma pub descendre, moi. Oui, oublie pas ça. As-tu mis ton under-arm? Oui, tout à l'heure. OK. Ton passeport? Oui. J'ai mis ça dans le touche. Ton portefeuille? Oui. Là, j'ai pris mon plug à sel. Ton iPod? Mon iPod, j'ai les environnements. OK. Je vais mettre ça dans ma valise. OK. Mais là, il faut qu'on déjeune, là. On va déjeuner en ville. OK. On va arrêter au métro. Hey, les vacances commencent. Je check le prix du gaz, ça fait. Les vacances commencent quand on déjeune, au McDo. Ouais. Ça fait une éternité, j'ai pas parlé. Mais c'est ça, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était ce matin? C'était-tu ce matin que j'ai parlé, Francis? Ouais, je crois que oui. Je suis couchée, j'ai tenté de me coucher. Ça fait bizarre que je parle pas de lunettes. Je vais mettre mes lunettes. Oh! Il rentre dans l'œil. Oh! Oh! Là, donc on vient d'arriver à l'hôtel. De nouveau, il est 8h20. Puis
Puis, c'est ça, tantôt, quand vous avez vu le petit clip qu'on rentrait dans la chambre, mais on a genre resté 15-20 minutes, là. On a juste venu check-in, on a mis nos valises. On est dans un hôtel. On couche souvent au. Comment? Au Quality Inn? Ouais, Quality Inn. Proche du casino, là. D'habitude, on a comme une grosse chambre, puis toute rénovée, mais là, on a pogné une. Comme une plus petite, là. C'est genre comme une mini-chambre. Mais tu sais, on est juste ici une soirée, là, c'est parfait. Puis, c'est ça, dans 8h20, on arrive de souper. Donc, on a mangé au Red Saturday. Puis, Véro, la cocotte, est venue nous rejoindre. Là, après, on a été vite fait au casino. Puis, moi, quand je vais au casino, je regarde juste Francis jouer. Moi, je joue pas. Des fois, je me mets 20$, là, ça me tentait même pas. Ça, c'est ça. Aujourd'hui, ben, c'est ça, j'ai vraiment tout refait, mon horaire. Comme je vous avais dit, je voulais faire ce matin. Donc, on a été dîner au Archibald. Francis n'avait jamais venu comme manger avec moi. Il avait venu une fois prendre un petit café, nous rejoindre quand on faisait nos devoirs. Mais jamais manger. Il a vraiment aimé ça. Après, j'ai bu mon Starbucks, mon Strawberry Açaï. Demain, j'ai déjà hâte. Je vais me prendre un macchiato au caramel pour un ice macchiato caramel pour aller prendre l'avion. Je suis excitée. Puis, ouais, à part de ça, ben, Francis a chopé toute la journée. Je vous jure, j'ai même pas acheté une chose. Je vais vous montrer vite, vite, juste ce qui s'est mis, qu'est-ce qui s'est acheté. Quand on va en voyage, il y a toujours ce sac-là. So, si jamais les girls pour vos petits boys ou même pour vous autres, là, c'est un beau sac, comme c'est comme un sac de randonnée plus, là. Mais Francis, lui, il l'adore, puis ça faisait une couple d'années qu'il avait le vert. Puis là, dans le déménagement, on l'a comme perdu, so, là, ça a pris genre le noir gris. Puis ça paraît pas, là, mais il fait beaucoup, beaucoup de choses. Comme des fois, même Francis met son linge, la boudonne, comme si on part juste comme une fin de semaine à l'hôtel. Ah oui, je pourrais faire ça. Mais ça fait pas. Celui-là, il s'est acheté un beau petit sac comme ça. Il s'est acheté. Il est allé au Old Navy. Il s'est acheté des paires de pantalons. Après. Pantalons, des boxers, des chandails. C'est ça Bass Pro Shop. C'est ses t-shirts préférés. Donc, il s'est acheté ça aussi. Puis, je vous jure, on dirait, moi, il n'y avait rien qui m'excitait, là. Mais on s'entend, je m'avais fait une commande au Old Navy la semaine passée. So, ouais. Mais sinon, moi, j'étais juste excitée d'aller dans mes petites places que j'allais d'habitude. So, ouais, c'est pas mal ça. Puis là, comme je disais ça, il était 8h30. Ben, il est 8h30. Puis, on va prendre ça tranquille. On va pas se coucher trop tard. Mais j'aimerais quand même... Écoutez la mire. La mire. La mire est dans le pré. Puis ça finit à 11h. So, ouais, c'est comme un petit peu tard. Mais là, tout de suite, je vais aller écouter une vidéo de Julien Lacroix. Ça a l'air, c'est drôle. Il a fait quelque chose à la semaine des 4 juillet. Je sais pas si vous êtes au courant. Mais ça a l'air, faut que je vous écoute ça. Après, j'aimerais écouter District 31. Peut-être Fugueuse. Grosse soirée d'émission. So, on va relaxer. Ça va être le fun. Puis, c'est ça. Oh, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Regardez ce que j'ai fait, maman. Vous pouvez pas bien voir, là. Ah, vous pouvez pas voir tout. Attends. Regardez, j'ai mis mini. Le voyez-vous? Puis ça, je savais pas. Genre, on peut... Moi, je voyais toujours Mickey quand je faisais ça. Mais là, j'ai vu qu'on pouvait changer. Je ne suis pas sûre de comprendre. OK. Je te parle pas. En tout cas, celui-là, je voyais toujours Mickey. Mais là, j'ai trouvé Minnie. On peut même changer sa couleur de robe. À la place de la mettre rouge, moi, je l'ai mis rose. En tout cas, je trouvais ça cute pour aller à Disney. OK, Siri, ferme-toi. OK. So, ouais. Mais c'est pas mal ça. Ah, puis je pense aussi, tandis que je vous parle, mais ça va peut-être être long. J'avais envie de faire une petite vidéo, genre... What's in my bag? Moi, j'aime écouter ça, mais genre mon bag. Vraiment tout petit, là. Mais je vais juste vous montrer, genre, qu'est-ce que j'apporte dans l'avion, qu'est-ce qui est comme mon essentiel. Parce que habituellement, j'ai comme un satchel, genre, comme ma valise, un gros sac, un satchel. Puis, ma sacoche. Comme là, je vous avais montré mon sac de Mickey, mais ça, je vais comme juste pour la Floride, parce qu'il est un petit peu trop petit.
pour tout mettre les choses, c'est pesant, que j'ai comme besoin dans l'avion ou que comme je veux pas oublier. Ouais, so, je pense que je vais vous montrer ça. Puis ouais, je me tourne de bord puis je vous montre ça. Là, bon, j'ai vraiment eu de la misère à trouver une place. Que je comme là, c'est ma tête. Ok, je vais me mettre à genoux. Là, ça va être comme bizarre, mais c'est que je voulais faire ce lit, mais le téléphone tombe tout le temps. En tout cas, donc c'est ça. Je prends souvent celui-là pour aller, ben, comme au début, là. Les deux premières fois, j'ai pris celui-là. L'année passée, j'en avais genre un rond. Celui-là aussi, il fitait beaucoup de choses. Mais c'est ça, ça paraît pas gros, mais je peux quand même fitter beaucoup de choses. Donc, je suis contente. Puis, ça, je pense que je l'avais pris au Marshall. So, j'ai un petit compartiment ici. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a dedans. Ça va être comme un sac à surprise parce que vous allez pas voir. C'est ça. So, là, j'ai toujours des petits Kleenex parce que dans l'avion ou peu importe, des fois on a envie de se moucher ou juste pour mettre nos gommes parce que moi j'aime manger de la gomme quand on part, quand on descend. Ça, c'est nos papiers de réservation, d'avion, d'hôtel, peu importe. Tu te mets dans la même place, mais là, j'ai peur d'oublier des choses. Ensuite, une bouteille de Purell. Par là, ça a l'air un virus du chinois ou quelque chose comme ça, là, la grippe des chinois. Là. Ma mère a dit, mets-toi du Purell. Après, j'ai apporté ma pompe. En tout cas, j'ai décidé de courir un marathon, tu sais. Après, une élastique. Si jamais ça me tente de m'attacher les cheveux. Des petits lanoles. Puis des aérus. Parce que je vous ai dit que moi, je fais bien des allergies. Je suis pas allergique à rien. C'est comme si je suis allergique à l'air. 365 jours par année. Je sais pas pourquoi. Sinon, je suis toujours à chaud. Oh, puis une autre élastique. Donc, je vais remettre ça dans mon compartiment. Avant que j'oublie quelque chose. Ça. Puis moi, ce vlog ici, je pense que ça va être genre mon départ. Comme je vais vous montrer un petit peu les aéroports, peut-être ma première journée là-bas. On verra comment ça se passe. On verra qu'est-ce que je décide. Là, dans ma grosse poche, là, j'ai mes deux épipènes. Pour mon allergie de crevettes. Puis ma mère a dit, encore ma mère, elle a dit, t'as juste le droit de manger des crevettes au Red Saté parce qu'il est au Nouveau-Brunswick. Elle a dit, après, on n'en mange plus aux États. Sauf là, j'avais mes deux épipènes, tout est beau. Mais non, je sais que c'est important. Ensuite, j'ai ma batterie pour recharger mon sel si jamais je l'ai besoin. Dans les parcs. Parce que c'est ça, quand je vlog, ça comme mange ma batterie. Moi, là, je suis certaine, j'ai une théorie, là. Je sais pas si j'ai déjà parlé de ça dans mes vlogs, je vais vous dire ça. Moi, je suis la veille de Sweet Apple. Ils envoient en cours. Non, c'est pas vrai. C'est juste que tout de suite qu'ils ont un nouveau téléphone, c'est comme si ils se disent, ils envoient le message, ils parlent avec un walkie-talkie. Ok, agent 200. On fait tout scratcher les autres téléphones s'ils n'ont pas le nouveau. C'est comme si après qu'il y a un nouveau téléphone, bye bye les autres, on vous fait plus fonctionner pour vous acheter le nouveau. Parce que depuis que c'est ça, là, j'ai de la misère avec le mien. Et comme la batterie mange vite. C'est ça mange vite. Ça, c'est ma petite plug qui va avec la batterie. Ça, c'est mon fil de mon mini. Gardez-les à table du pied. Elle veut rien savoir, elle est prête à danser. C'est ça. Ça, c'est ça. Après, j'ai mon portefeuille que je vous avais présenté. Puis, oh, en plus, regardez, il match avec mes nouveaux ongles. Ça, je me suis fait des nouveaux ongles lundi pour aller en voyage. Donc, toutes ces différentes couleurs. Je les aime trop. Regardez ça. Je vais les mettre là-dessus. Ouh, Vogue. Moi, je les aime vraiment, puis je n'ai fait un comme brillant. Je trouvais que ça faisait comme voyage. Elle qui me fait les ongles en gel, elle dit, oh my god, elle dit, je pense que je vais les faire. Elle aussi s'en va en voyage bientôt. Après,
J'ai mon iPad avec mes écouteurs. On a downloadé des films de Disney. On va écouter ça dans l'avion parce qu'une fois sur deux, on a un avion avec une télé. Sur là, on sera seté. Puis même si on a une télé, ben on va l'écouter là-dessus. On a téléchargé sur Disney+, on peut télécharger des films. On a téléchargé Ratatouille, Nemo, puis quel autre est le dernier? Que ça fait longtemps que je n'avais pas écouté là. Oh, attends, je vais vous montrer. Moi, c'est vraiment le fun, je savais pas qu'on pouvait le faire comme Netflix. Puis on dirait, je savais pas que je voulais downloader sur télécharger sur Netflix. Je me suis dit, hey, on va écouter ça. Moi, Francis, on était content. Qu'est-ce que c'est? J'ai mis Ratatouille, Nemo. Puis quoi d'autre? Oh, oh my god. J'ai trouvé Herbie. Je sais pas si vous savez c'est quoi. Mais là, vous pouvez pas vraiment voir, là. Mais c'est avec Lindsay Lohan. Puis c'est. Oh non, c'est en train de commencer. C'est avec Lindsay Lohan, puis sa coccinelle. Elle fait comme des coups de course, là. Ça, c'est le film qui m'a fait vouloir avoir une coccinelle. Je m'ennuie encore à ce jour de ma coccine. Un jour, j'en m'en acheterai une décapotable. Après, mon case à lunettes, mais mes différentes lunettes. Ça, c'est mes lunettes de soleil. Je vais vous montrer ça. C'est mes lunettes de soleil. Ceux qui les ont jamais vues, attention, préparez-vous. Hello les hexagones. Ouais, donc c'est des normales. C'est des lunettes normales comme ça. Puis ils virent en lunettes de soleil quand je vais dehors. Donc c'est pas mal de fun pour la Floride. Comme ça. Puis un livre pour l'avion. Donc je me suis pris un petit livre. J'ai terminé ce qui se passe à Vegas, Chris à Vegas. C'est super bon. Parce que moi, j'adore Amélie Dubois, mais comme ma cousine avait dit, on dirait que c'était comme ça se répétait, on dirait que j'arrivais pas à la fin. Mais c'est super drôle, là. Mais celui-là, j'ai hâte de lire, c'est le deuxième de Marie-Christine Chantier, ça suit pas. C'est juste le premier, c'est la théorie des trucs d'arc-en-ciel. Celui-là, c'est tout comme les tortues. Ça a l'air super bon. Je vais lire ça, puis la dernière petite chose. C'est ma charge à cellulaire. Donc, c'était pas mal ça. C'était pas grand chose de choix, justement, la mettre dans le mur. Là. Donc, c'était pas mal ça. C'est ça qui va être nos plans pour la soirée. Je vais aller me laver, me préparer pour aller un petit peu plus vite demain. Puis, on prend l'avion à 11h55. Faut envoyer là vers 9h30. Tu sais, même si on est pas là 2 heures avant, comme. Les autres avions, les autres aéroports, parce qu'on s'entend qu'on est en moins jeune. Il n'y a pas 1000 vols, là. Comme on ne peut pas voler vers Dubaï demain. C'est tout le monde qui s'en va. C'est pas trop loin. Là. Ça, ça devrait bien aller. Donc là-dessus, les amis, je vous laisse. Puis on se reparle une prochaine fois. Je sais pas quand, je sais pas où. Mystère. Vous allez voir dans quelques secondes, ça sera où, mais moi tout de suite, je sais pas, tu sais, vous comprenez? Mais là-dessus, bonne soirée, puis moi je m'en vais faire, moi je m'en vais pas faire des bouts de dos, je m'en vais à la je m'en vais relaxer avec mon iPad puis mon petit chum. Bon matin! Donc, on est vendredi matin, il est 9h15. Puis là, on vient d'arriver à l'aéroport. On allait pour comme aller, ça, comme aller enregistrer nos baguettes, bagages, puis valises en même temps. On a tout mis. On s'est tout enregistré là, sur l'application ce matin. Sur là, il nous reste juste à aller mettre l'étiquette sur nos valises. Mais
On allait pour rentrer, le Francis s'est dit « Oh my God, il se garde les pieds. » Il avait comme ses gros souliers d'hiver, il avait oublié de les changer. Ouais, c'est une chance qu'il ait pensé à ça. Moi, j'étais certaine qu'il était dans sa valise, ça. Mais ouais, c'est ça. Donc, on va aller faire ça tout de suite. De l'aéroport ici. T'sais, on pourrait marcher là. On est large. Ben, c'est bon qu'on est là. Regardez comment c'est le poil. Youhou! Puis là, on prend ça, on marche plus vite. C'est comme si on est comme des super-héros. On marche plus vite. Ouais, ceux-là, on s'en va prendre notre correspondant aux États. Ensuite, on va aller faire un petit pipi et on va aller manger. Parce que là, il est rendu 1h30, l'heure de Toronto. Ouais, c'est cool. Et on t'en va voir Mickey. Bon, petit update. Il est rendu 7h moins 10. On a pris l'avion, on a embarqué dans l'avion à 4h05. Puis on était supposé décoller à 4h40. Air Canada, c'est de la grosse. Mais non, c'est ça. On était supposé embarquer l'avion à 4h05. On a embarqué. On était supposé décoller à 4h45. Turns out qu'à 6h05, on était encore là. Là, à chaque 15 minutes, oh, ça va juste prendre une couple de secondes, ça va juste prendre une couple de minutes. La consigne ne marche pas, blablabla. En tout cas, ils nous ont dit ça pendant 2 heures. C'est ça. Sur là, il est rendu 6h50. Ils ont fait débarquer de l'avion. Là, on est censé avoir un autre avion. Mais, genre, notre vol était plein. Là. C'était vraiment un gros avion. Sur là, ils vont-tu nous trouver un autre gros avion demain? Je sais pas. So, c'est ça. Au moins, on va être à Disney ce soir. Peut-être. Peut-être. Puis, ils nous ont donné des. Je vais demander à la madame ici. Genre 15$ pour aller s'acheter du manger. Le gros 15$. So, on va aller faire ça tout de suite. Deux lits. En
Floride, ça coûte moins cher si tu prends deux lits. Ça, là, le beau petit meuble. Bon, regardez ça, on a notre petite télé. La seule chose qui est plate, c'est les poutres comme ça. On n'aime pas ça. Après, c'est ça. Sens-tu confortable? Puis la première chose que Francis fait, lui, quand il arrive dans la chambre, il trouve toujours le code de... du chose de sécurité. Pas chaud. Oh, puis ça, c'est notre vie. On voit pas grand chose, là. Mais ça, c'est vraiment comme l'entrée de Disney. Puis là, quand vous allez continuer comme ça, on est comme sur le côté, là. Mais exemple, par là, vous voyez pas mon dos, là, mais par là, c'est Disney Springs. C'est comme. Genre, look at me, ouais, par là. Ouais. Ça ressemble à ça. On peut pas vraiment voir, là, mais c'est quand même beau avec les lumières. Donc, ouais. Ça, notre avion a été retardé de comme 4 heures. 5 heures presque. Mais c'est pas grave, on est arrivé sain et sauf. Puis là, il y a une nouvelle loi, si on peut se faire comme rembourser de l'argent. C'est pas mal le fun. Donc là, on a eu la petite guide de Disney. On va checker ça, mais demain. Parce que là, on va aller faire de l'eau. Donc là-dessus, merci d'avoir écouté ce vlog-là. Puis je pense que je vais terminer ça ici. Puis j'en commencerai un autre. Quatre temps. Donc bye, à la prochaine. Veux-tu dire bye bye, Charles? Ouais. Ouais. Bye.